Et salut les potes, c'est Zéro, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo sur la bêta de Uncharted 4, donc le mode multijoueur qu'on nous propose sur PlayStation 4 si on est abonné au PlayStation Plus. Bon, bien sûr, faut être abonné au PlayStation Plus maintenant pour jouer au jeu en ligne, etc. Je lance le jeu, on se retrouve tout de suite. Un multijoueur. Oh, on va quand même mettre expérimenté, hein, parce qu'on n'est pas des brels. Mettre des ennemis KO avec n'importe quelle arme, réanimer 5 coéquipiers, remporter 3 matchs. Ok, trouver un match, pactage. On va voir la personnalisation déjà. Alors, skin, chapeau, provocation. Alors là, on peut choisir son perso, c'est cool aussi. Lui, il a une grosse tête un peu. Ça, c'est pas mal. Lui, il a une tête chelou aussi. Ils ont des grosses têtes, hein. Genre, lui, la grosse tête. Lui, grosse tête, grosse tête. Même elle. C'est les cheveux, je sais pas. On va prendre Knut. Là, ils ont plusieurs tenues et tout. Costard, c'est rigolo aussi. Cambrioleur. On va se mettre comme ça, paf, ok, chapeau. Grande de classe. Embrasser, tu l'as dans. Ouais, rire. Loser. On va faire tu l'as dans le cul. Réanimation, grenade, colère d'Eldorado. Complice sauveur. Complice sniper. Complice chasseur. On va faire ça, hop. Knut. Alors je crois que c'est un match à mort en équipe. Okay. Alors ils arrivent, on va voir tout de suite ce que ça va donner cette histoire. Il faut récupérer le diamant ou quoi. Ok. Oh, ça commence bien. Super. Ok. Ah putain, j'ai du mal avec les touches. Cette gamme pour recharger. Oh, ok, je suis aux patates. Putain. Ah, j'étais bon là. Non, je veux rien de tout ça. Ok, on est reparti. Donc, au niveau des munitions, ça part quand même assez vite. Je sais pas comment on donne un coup de. Ah ouais, attends, j'arrive, poteau, bouge pas. Non, mais tu. Ok. Là, il y a des munitions. Ok, plus j'ai de munitions, mieux c'est. C'est quoi ça, le diamant, là? Vas-y, moi, je prends le diamant. Je sais pas pourquoi personne le prenait. Ok. Oh, putain! Ok, un KO. On va la jouer en finesse. Ah, mais il y en a un là. Yes. C'est testé caché. Homme de classe. Ok, c'est qui le prochain? Encore du chemin à faire pour m'arrêter. Ah! Ah, il m'a péta. Appeler de l'aide. Ah ouais, j'appelle de l'aide. Oh! Juste, j'ai l'impression que l'entraide, on s'en bat les couilles. Hop là, qu'est-ce qui se passe? C'est qui le patron? Boutique ouverte. Vas-y, je prends celui-là, là. Viens avec moi, poteau, on va tout massacrer. Vas-y, poteau, bouge pas, je suis là. Mais... Y'a que tu t'approches, il meurt, ça. On est repart. On va essayer de jouer avec les toits là. Suivant comment ça peut se passer, ça peut être pas mal. On a encore un grappin là. Ah ouais.
Ça, c'est cool, ça. Vas-y, à pompe. Je vais me sauver là. Je n'ai quand même bien un KO. Really, nigga? Ok, c'est reparti. Ok, ok. Oh là, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout ça. Le mec, il a sorti sa double. Roi du chaos. Hein. Surprise, motherfucker. Hop là. Y'a rien compris. Ah. Ok, bon bah le point de réapparition c'est ici, on a compris. C'est pas mal, en tout cas c'est fluide, j'aime bien comment on gère le perso. C'est rapide, c'est pas un mec trop lourd avec des animations qui prennent 1000 ans quand tu veux te retourner ou quoi. Donc ça c'est un super bon point. Pour l'instant ça me plaît pas mal. Oh là là, mais il y en a un, il est avec une roquette là. Vas-y, hop, hop. Voilà, jouer comme ça, poteau. C'est comme ça, nous, pour faire. Qu'est-ce qui se passe? Un souci. Really, nigga? Tu peux pas tester mes fantômes. Hop là, et c'est qui le premier poteau? C'est moi. A terre 12, KO 13, mort 5. Bon, bah ça fait pas un ratio trop dégueu, quoi. Pas mal, il est bon, le mec, il est bon. Je pense le sniper, non? Je connais pas encore assez bien les cartes pour dire de jouer au sniper. Ok. Pas mal aussi, du coup là on est dans une espèce de musée. On va essayer de voir par les toits ce que ça peut donner. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Réanime-moi. Réanimez-moi. Vas-y. Je sais que tu peux le faire. Moi, j'ai confiance en toi. Voilà, parfait. Merci, t'es assuré. T'es au top. Là, de passer de bâtiment comme ça, c'est vraiment stylé. Bon, là, je sais pas si c'est la carte qui est grande ou quoi, mais putain, j'en vois pas un seul. Je suis en train de tourner en rond, là. Vas-y, regarde, je t'ai tiré dessus. Alors, attends-moi maintenant. Meurs! Ah putain. Réanime-moi. Ah, t'assures. Très bien, c'est parfait ça. Merci beaucoup. Mais c'est quoi ce truc là? C'est un démon le mec. C'est stylé en tous les cas, mais bon, je sais pas ce que c'est. Attends, Bolos. Oh là là, mais bon, il me fait chier. C'est quoi cette arme? Moi aussi, je vais avoir une arme de dingue. Oh là. Eh, je vous jure, je fais que de leur courir après. Elle est un peu grande, j'ai l'impression, la carte, là. Je sais pas, c'est moi qui suis pas dans le bon timing, mais bon. Ah, il y en a un, là. Regardez, on va s'approcher tout près. Qu'est-ce qu'il y a? Surprise, motherfucker. Un souci avec moi? Il est où? Okay, ils m'ont tué. Non, il y en a un là.
motherfucker. Tiens. Et mon fantôme, il les fracasse là. Voilà, il y en a un là. Oh oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Oui, je l'ai fait. Allez, nique tout, Coco, nique tout. On tient la zone. Bon, on n'est pas dernier, on est deuxième. J'aurais préféré être première. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et voici des moments qui ont retenu mon attention. Vous n'aurez pas le temps de lire le générique car il est trop rapide et pas fait pour être lu, mais pour la qualité de ses effets spéciaux. I believe I can fly. Surprise, motherfucker. Fatality. Oh oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Oh oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. John Cena. Surprise, motherfucker. J'ai une petite calvitie, ça va peut-être me donner la force dans le manque de poids là. Et voilà, et c'est donc la fin sur cette session d'Uncharted 4, donc le mode online, parce que ça concernait que le mode online. Je me suis vraiment bien amusé, franchement c'était vraiment fun. Le deathmatch en équipe là qu'on a pu voir, franchement bah il est top, après avoir comment l'online évolue, parce que ça peut pas faire tout en online hein, un truc comme ça, au bout d'un moment on se lasse. Mais ouais, je me suis bien amusé, il y avait pas trop de bugs, le jeu était franchement assez bien fini. Et ouais, j'ai bien rigolé, je la conseille. Je sais pas si toi aussi t'as joué à la bêta, si t'as ton avis à donner, mets-le dans les commentaires, moi ça m'intéresse, comme ça on discute entre nous, machin, etc. Si t'as vu même des bugs, machin, qui pourraient être assez sympas. Donc à côté de ça, je t'inviterai à aimer la vidéo si tu l'as aimée, pas si tu l'aimes pas. Hein. Je vais t'inviter aussi à commenter la vidéo, savoir justement ton avis, comme je te le disais précédemment. Si tu peux partager la vidéo aussi, parce que moi ça me fait connaître et puis ça étend la communauté, parce que moi c'est ce que j'aimerais, des gens justement qui participent à mes vidéos, quand ils la regardent, et bah ils donnent leur avis, etc. Et voilà, si à côté de ça t'as déjà fait tout ça, bah je pense que tu peux encore t'abonner. Allez, je te demande un dernier petit truc, je sais que tu peux le faire, abonne-toi, moi ça me fait toujours plaisir. Et puis bah écoute, sur ce, je te dis à tout bientôt pour un prochain épisode et ciao ciao.